Allez, salut à tous, c'est Cyanox et aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel qui va être comment télécharger un jeu Flash ou une animation Flash sur Internet et l'avoir sur son PC et ne plus avoir besoin d'Internet justement pour la voir et pour la jouer. Alors, déjà pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un jeu ou une animation Flash, pardon, c'est donc des petits jeux gratuits ou des petites animations qu'on trouve sur Internet qui sont faites et compilées avec des logiciels Adobe Flash. Et c'est des jeux généralement simples en 2D, enfin bref, voilà. Donc vous tapez animation Flash ou jeu Flash sur Internet et vous trouvez ça. Donc moi j'ai pris un jeu au hasard sur jeuxvideo-flash.com, je fais pas trop de pub. Donc pour télécharger une animation Flash, donc on va se rendre sur la page où elle est. Donc voilà, ici on a la page avec le jeu en Flash qui est là. On va faire clic droit en dehors du jeu, donc sur la page ici, et on va aller dans Informations sur la page. Alors je sais que ça marche sur Firefox, il faudrait vérifier sur IE ou sur Google Chrome si ça marche, mais en tout cas sur Firefox c'est Informations sur la page. Voilà, ça va nous ouvrir une fenêtre avec toutes les infos de la page. On va aller dans Médias, dans Médias. Ici on déplie tout ce petit truc-là, et là vous voyez qu'on a tous les médias qui sont sur la page, donc les images, les icônes, les objets, les vidéos, enfin toutes sortes, les images de fond, en JPG, en GIF, voilà. Et là on voit qu'il y a des lignes qui sont grisées. Donc les lignes qui sont grises, celles qui vont nous intéresser, et on va sélectionner la ligne où il y a l'objet. L'objet doit être en point SWF, c'est le point. C'est le. Pardon. L'objet doit être en point SWF, donc c'est le format des animations Flash. Une fois qu'on l'a sélectionné, on le sélectionne et on fait enregistrer sous. Donc voilà, je vais le mettre sur mon bureau. Ah bah, pas, je vais lui mettre un nom, on va l'appeler Flash. Voilà. Hop, un petit téléchargement apparaît. Une fois qu'il est téléchargé, on va se rendre sur le bureau qui est ici. Et vous voyez qu'on a récupéré notre petit fichier SWF. On va faire clic droit, ouvrir avec. Et Firefox. Donc si vous l'avez pas, vous allez en choisir le programme par défaut et vous cherchez Firefox. On va l'ouvrir avec Firefox et vous voyez ici que dans Firefox notre jeu Flash apparaît. Et ici dans la barre d'adresse, on voit que c'est plus une adresse internet qui apparaît mais une adresse locale, donc une adresse sur mon PC. Et il n'y a plus besoin d'internet pour lire cette animation Flash. Donc vous voyez qu'on peut tout simplement jouer au jeu. Hop, voilà, on peut jouer, on peut faire play, tac 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 tac, hop. Et on peut jouer au jeu sans avoir besoin d'internet, tout simplement. Hop, vous voyez qu'on peut jouer tout simplement. Donc ça marche pour les jeux et les animations. Donc ça peut être utile par exemple pour mettre une animation flash pour un mariage ou un petit jeu flash sympa. Et puis voilà. Donc c'était CNDogs pour un petit tutoriel sur les animations et les jeux flash. Et on se retrouve bientôt sur ma chaîne pour d'autres tutoriels et d'autres présentations de jeux vidéo. Allez, salut à tous!